Autant de parler déjà de radioastronomie, qui ça lié, qui ça le paye, qui importance li pour société, mais qui niveau nous y en Haïti? Nous pouvons aller deux jouer une réponse à question ça yo. Radioastronomie, c'est un branche astronomique à observer et étudier objet astronomique grâce à la lumière dans la radio. Bye. Attention, faut qu'on pas confondre avec une station radio FM qui parle de astronomie. C'est pas ça, c'est pas une station radio, c'est une lumière que j'ai mon pas carré, qui on sait le télescope spécial sur la Terre ou soit dans l'espace à capter et transformer en information pour nous. Pour ça bien comprendre, on fait un tir à les tout petits sur astronomie en général. Astronomie, c'est une science qui intéresse la observation de bagailles qui dans l'espace qui j'ai au formé, évolué et qui dynamise le gain. Yo kon di tout ces bagailles qui pas d'ailleurs atmosphère la Terre, mais dans concept moderne, nous comprenons que la Terre c'est une bagaille qui dans l'espace tout. Lorsque on comprend qui j'ai l'autre planète yo fonctionner ou ka pi bien comprendre la Terre. Et l'on comprend la Terre tout, ou qu'on peut bien comprendre l'autre planète. Comme l'astronomie joue un rôle important pour nous comprendre la place dans l'univers, il y a un rôle critiquel important pour le monde sur la Terre. D'ailleurs, c'est l'équité des mondes dans longtemps, longtemps, ils comprennent et réalisent le calendrier avec le système de référence pour contrôler les. C'est sur l'astronomie qui donc observation ciel là, qui est l'autre science supérieure basée, tant que mathématiques que nous utilisons chaque jour, ça veut dire trigonométrie, logarithme à calcul. Quelques principes statistiques de base sortis là tout. Bagaille qui dans l'espace a baille ou soit absorbe lumière. Et c'est lumière ça qui peut constituer une forme de messager pour nous sur la Terre qui peut faire nous connaître ça passer dans l'espace. C'est pas lumière seulement non, qui messager dans l'espace. Il y a rayon cosmique, onde gravitationnelle, neutrino à l'autre encore. Mais je dis à nous concentrer sur lumière. L'atmosphère la Terre pas permettre toute lumière entrer venir joindre nous si face là. D'ailleurs, il y a quelques parties dans lumière qui étaient quand même empêcher la vie paraître sur planète noire tant qu'il y a un gamma qui c'est une partie dans lumière. Même dans lumière qui arrive traverser l'atmosphère noire pour arriver joindre nous, c'est pas tout nous arrive ouais à genou. Ça nous arrive ouais. Scientifique aurait dit simplement lumière visible ou soit lumière optique. Bien ou l'autre catégorie lumière qui parmi ça qui entre sur planète noire, mais que nous pas capable avec nous. Scientifique aurait les lumières radio. Faut qu'on utilise appareil pour voir ou soit pour connaître là. Et c'est peut-être ça appareil qui utilise catégorie lumière ça pour fonctionner. Yo konn bal non radio tout. Tant qu'on station radio FM yo. C'est comme ça tout que astronome yo pral utiliser technologie pour capter parti radio nan message di mien pote pour nous spread la. Yo pral développer un grand spécial nan astronomie qui rele radio astronomie. Yo pral capable wè pi bien ak plus détail bagay ki nan l'espace parce que l'on utilise les lumières visibles ou ka wè en pile bagay c'est vrai mais l'on branche en mode radio astronomie. Ou après plus bagaille toujours sous objet ou observé. En plus de service de base astronomique que radioastronomie baille, ça veut dire une connaissance fondamentale sur l'univers liée à un développement technologique parce que en pile recherche qui fait pour améliorer l'équipement astronomique, c'est bien servi dans l'autre secteur, tant que génie mécanique, informatique, télécommunication et électronique. Ou ka exprimer lumière en longueur d'onde ou soit fréquence. Et chaque partie de lumière a une fréquence pâle. Qui donc a une fréquence radio à pas? Nous ka comprendre kounya que l'univers a une bonne partie la donne qui est en fréquence radio. Et c'est radio astronomie qui va permettre d'étudier partie ça. Si vous prenez galaxie nous en voie lactée, à cause de l'ampile poussière qui gagne ici tout dans le disque là avec une série de gros nuages poisses, lumière visible pas qu'à traverser. Et ou pas qu'à ouen ni jouen aucune information sur région ça, sourité à observer à gamme visible là seulement. Fréquence lumière radio a permettre de traverser région ça ou sans problème. Et c'est comme ça que radio a son mieux pour le plus bien comprendre la Terre. Yo pral détecter hydrogène neutre dans la galaxie. Certains figures noté H1, qui c'est l'élément qui est plus abondant dans l'univers. Gen fréquence pour hydrogène neutre là, c'est
1420 MHz. Et grâce à spectroscopie, ou a détecté gaz ça à fréquence li. Comme ça, radioastronome yo rive fait cartographie Voie lactée, yo rive comprendre pi bien structure en bras spirale li et yo rive wè tout position nou nan galaxie. Nous tout simplement nan yon bras spirale yo. Nous pa nan mitan galaxie. C'est hydrogène qui pi plus nan galaxie, nous dit déjà. Mais c'est pas seulement hydrogène qui gagne, gen tout en pile monoxyde de carbone. Mais c'est surtout dans la zone qui pi près mitan galaxie, gen plus monoxyde de carbone dans la région ça yo parce que gen plus d'étoiles là, ces étoiles qui consomment hydrogène par fusion nucléaire pour bail carbone et oxygène. C'est comme ça. Grâce à spectroscopie, n'a privé détecter tout monoxyde de carbone à une fréquence qui 115.211 GHz. Mais pas oublier, globalement concentration monoxyde de carbone nan pi piti que concentration hydrogène nan, et c'est dans région qui pi nan en dans la galaxie ou venir pi plus. L'astronomie pral même de nous étudier ça qui nan mitan galaxie noire. Tant que tout noir capable mettre signal radio qui puissant en pile avec l'autre gamme lumière tant que rayon X. Attention, là m'a fait nous comprendre que tout noir pas bail lumière directement. Mais matière qui pas de yol qui sous route pour ta tomber en dedans, eh bien matière ça tellement vite chaud, yo bail rayon qui dans fréquence rayon X et même radio tout. C'est comme ça nous rive même faire photo tout noir. Yon photo indirect de tout noir parce que c'est aribol nous vivre et photographier. Nous connaissons que l'univers est très dynamique. Tout bagay a bougé. La lune a viré autour la terre a viré autour du soleil. Soleil là qui n'a yon bras spirale galaxie a viré tout à tout bras spirale là autour tout noir central galactique là. Voilà que terre lui-même a viré tout autour point gravitationnel central groupe local galaxie. Nous te ka al pi loin toujours nan parler sous dynamisme l'univers. An kanpi la toujours. Sa m vle fè nou wè la, se mouvman nan bras spirale galaxie. Et grâce à radioastronomie nou pral kapab jwenn enfòmasyon sa yo parce que jan lumye radio gaz hydrogène ki nan bras galaxie a vin jwenn nou, nou ka konnen lè yon bras ap deplase vin sou nou ou swa al pi loin. C'est grâce à un principe physique qui aurait l'effet Doppler que nous pourrons comprendre ça. Pas oublier, nous disons que la lumière ou qu'a exprimé en fréquence ou soit longueur d'onde. Selon que la lumière a vu jouer nous ou soit à éloigner de où, longueur d'onde qui a vu une plus courte ou soit plus longue. Si c'était onde sonore, tant qu'on brise sirène la police ou soit brise camion cap passer bon côté ou. Ou t'as remarqué Jean Bria a changé les machines sa yo approché ou soit éloigné de ou. C'est même Jean tout lumière qui c'est une onde électromagnétique a changé longueur d'onde li et la pour approcher ou soit éloigné de ou. Dans gamme lumière visible ou t'as lumière a changé couleur dans condition sa yo parce que couleur yo lié à longueur d'onde lumière ou soit fréquence. Mais pour lumière non visible tant que radio c'est appareil spectroscopie pour utiliser pour voir ça. C'est exactement ça radioastronome yo pour le faire pour yo connaître les yon bras spirale Voie lactée a penser avancer ou soit éloigné par rapport à la terre qui donc par rapport à soleil nous on qui c'est point qui plus important dans affaire masse dans système planétaire nous. Une activité que l'observatoire radioastronomique fait, c'est observer bras spirale galaxie pour étudier gaz qui la dans yo et comprendre dynamisme li. Ça veut dire j'ai la bougé et j'ai un système solaire noir a bougé tout. Pas oublier, gen pile gaz ak molécule dans galaxie, mais c'est surtout hydrogène neutre H1 qui pi plus et qui kabay plus information. Comme ça tout gen observatoire qui trouve yon branche académique d'observation radioastronomique sa yo pour permettre étudiant tout à tout l'autre monde qui intéressé à prendre faire observation radioastronomique tout. Yon la dan yo c'est observatoire de Paris qui gen yon interface internet koto ka inscrit et programme observation et wap jwenn résultat yo. Pas oublier, c'est pas observation ak lumière visible non. Qui donc résultat yo c'est pas photo objet que wap ka jwenn. Mais yon série de données ou soit data
qui ka présenté sous forme graphique que ka exploité pour bien comprendre ce qui a passé. Grâce à bureau sensibilisation pour astronomie de Union astronomique internationale la société haïtienne d'astronomie développée à Claude Patnay Kango Cameroun, France, Pologne et Portugal, yon projet pour faire quelques écoliers et professeurs dans la zone capitale là prend contact avec Radio Astronomie et même utiliser ressources sur internet ça pour plus bien comprendre galaxie nous. N'a vu le lien là dans la description vidéo ça. Radio Astronomie permet de scientifiquer plus bien et comprendre l'autre bagaille qui nous l'espace tout. C'est pas seulement nos galactiques qui c'est galaxie côté soleil noyé. Yon série de gros observatoires construits sur la Terre pour garder plus bien, plus loin à technologie qui a de jour en jour vu plus puissant. Technique interférométrie en même c'est extraordinaire. C'est une combinaison plusieurs grandes antennes radioastronomiques à distance pour augmenter puissance résolution image. C'est comme ça, yon arrive à joindre plus d'informations sur par exemple système protoplanétaire qui a formé ou un disque à question autour de la galactique. Ou soit 10 galaxies, même galaxies qui loin yo, n'a vu une information sur yo grâce à technique interférométrie ça. Même gen galaxies avec objets matière chaud sorti dans trou noir, c'est ça astronomie relative relativiste. Et colonne matière ça yo, c'est grâce à télescope radio ka wè yo. Dans longueur d'onde visible, ou ka wè ko galaxie seulement. Mais lor combiner technique optique là avec radioastronomie, ou ajouen en pile information sur galaxie ça ak jè relativistik a gen. Bon, nous pral pile loin toujours dans affaire radioastronomie. Nous pral parler de fond diffus cosmologique micro-ondes. Micro-ondes, c'est une catégorie lumière tout, mais qui gen fréquence pâle. Mais pratiquement, yon mette l'en catégorie radio. Selon théorie qui t'a plus rapproché de réalité a, parce que li bay plus preuve pour théorie Big Bang, l'univers te fait, li pat ko gen lumière k'ap gaye tout partout. C'est juste 380 000 années après li fait là, ça veut dire l'air li commencé ouvrir col plus d'espace-temps qu'il a créé en même temps pour tête li. Eh bien, c'est là ça l'univers te commencé quitter lumière gaye. Bien sûr, lumière ça a été porté en pile d'énergie, mais depuis la date ça pour arriver dans la date journée jeudi, et surtout avec l'expansion de l'univers, longueur d'onde lumière originale ça a pu augmenter. Ça veut dire fréquence qui peut diminuer juste pour arriver dans la fréquence micro-onde. Ça veut dire tout que la température peut diminuer. L'univers n'a vivre qu'on y a pas chaud même j'en étais 380 000 années après Big Bang. Mais li pa fret net, li pa 0 Kelvin, li descend à 3.73 Kelvin et c'est grâce à radioastronomie ou ka wè lumière sa journée jodi a. Yon lumière que astronome yo rele fond diffus cosmologique micro-onde parce que li ga école tout partout dans l'univers et li c'est un rayonnement fossile qui sorti nan temps longtemps. Si ou prend appareil k'ap capté onde radio tant qu'on yon télévision, si ou pas branché sur yon chaîne spéciale qui gagne yon station télévision, ou ap capté on original l'univers sur écran ou li paraît dans kou tigren tigren. Eh bien, avec gros appareil qui dans l'espace tant qu'on satellite blanc, astronome yon rive fait cartographie fond diffus cosmologique micro on sa, yon lumière qui gagne école tout côté dans l'univers et qui vient courir plus théorie Big Bang. D'ailleurs, scientifique qui te découvri lumière micro-ondes ça, yo te recevoir prix Nobel dans l'année 1978 et c'était pour la deuxième fois yon radio astronome t'a pris prix Nobel dans époque ça. Première fois radio astronome te joine prix Nobel, c'était dans l'année 1914, les scientifiques yo te découvri plus ça. Yon étoile à neutrons qui vire vite en pile et qui gagne une série de colonnes en radio la paille. On garde le rôle de l'astronomie dans la vie nous chaque jour. Il y a un pile avantage pour la société dans les affaires de l'astronomie. La technologie qui a développé pour faire la radioastronomie marcher qui a servi tout pour améliorer les télécommunications sur la Terre. Et il y a un pile compagnie qui exploite les connaissances fondamentales pour y brasser plus bien.
Dans le secteur médical, la radio Assomia est utile en pile en pile. Le on peut imaginer pour faire apparaître qui permet nous voir image un bagage qui pas visible à l'œil ou qu'à comprendre en pile calcul fait. Et ou qu'à utiliser même calcul ça yo pour faire ça nous reler image médicale qui utile dans société nous. En Haïti, c'est sûr que nous utilisons technologie dérivée de l'astronomie dans le secteur télécommunication et dans le secteur médical, mais nous pouvons exploiter connaissances fondamentales. Nous pouvons gagner un radiotélescope dans le pays, même si nous avons quelques gros antennes paraboliques qui ont conservé longtemps dans la télécommunication, dans l'époque téléco. Tant que gros antennes paraboliques savourent son carrière, qui longtemps te station te gagne François Duvalier, puis gros station qui te gagne dans la région Caraïbe, dans l'époque ça. Sûrement un jour, l'État a permis de construire un observatoire radioastronomique en Haïti pour exploitation académique, fondamentale et économique. Et l'État a même permis d'intégrer un réseau interférométrique régional pour meilleure résolution et pour études géodésiques qui sont utiles dans comprendre le mouvement sol nous, si tout que nous sous menace tremblement de terre. En attendant, nous avons fait radioastronomie à distance grâce à l'Observatoire de Paris, à l'Observatoire de l'autre partenaire qui a parlé de nous. Visitez le lien qui est dans la description pour plus de détails. Bon, nous faisons bon aller sur radioastronomie. Nous souhaitons comprendre ou soit poser nos questions sous zone commentaire. Merci en pile. Non pas c'est Captain Astro. Ou ka jwenn nous sur numéro ça 38 40 77 75. Ou ka aider nous tous sur mon cas Jacques même numéro ça. Nous disons merci déjà. À bientôt.